À chacune de ses sorties publiques, des centaines de fans et de journalistes accourent. Il s'appelle Lenny Magger, mais son nom d'artiste c'est Futura, un pionnier du graffiti, une légende vivante. Sa signature à la bombe peut se vendre des milliers d'euros. Nous ne sommes pas à New York, mais au cœur du très chic premier arrondissement de Paris. On pourrait croire que le célèbre graffeur est en train de s'offrir la vitrine de l'une des boutiques les plus en vue de la capitale, mais en fait pas du tout. Merci beaucoup. S'il est à Paris ce jour-là, c'est pour vendre une boisson. Allons voir les bouteilles. Les bouteilles en question, du cognac français. La maison, Hennessy. Propriété d'un groupe de luxe et leader absolu du marché, mais paradoxalement presque inconnu dans son pays, la France. C'est bien pour ça qu'ils se sont payés la signature du graffeur. En fait, c'est une super opportunité. Moi, j'apporte mon public à la marque et eux, ils m'apportent leurs consommateurs. C'est vraiment une opération donnant-donnant. Le cognac a connu son heure de gloire. À l'époque de nos arrière-grands-parents, pas un repas digne de ce nom sans ce digestif à la couleur ambrée. Mais les habitudes de consommation ont changé. Moins d'alcool fort, moins de digestif, moins de cognac. En France, le marché s'est effondré dans les années 70. Alors les fabricants sont partis à la recherche de nouveaux territoires à conquérir. Aujourd'hui, 90% de la production est exportée. États-Unis, Chine, Russie, Inde ou Brésil, des marchés gigantesques où le cognac s'est imposé comme l'image du luxe à la française auprès des consommateurs les plus argentés. Résultat, chaque seconde, 5 bouteilles sont vendues dans le monde, soit près de 170 millions de bouteilles l'année passée. Le chiffre d'affaires a lui aussi de quoi donner le vertige. 2,2 milliards d'euros, autant que le champagne à l'export. Alors comment une boisson à l'image vieillissante a-t-elle réussi à conquérir le monde? De quelle façon les industriels du cognac se livrent-ils une guerre sans merci pour séduire les amateurs de boissons fortes? Et qui profite du succès international de cette eau-de-vie qui bat chaque année des records de vente? Plongez au cœur d'un élixir qui vaut de l'or. Si le cognac est l'un des alcools les plus chers au monde, c'est qu'il est le résultat de trois ingrédients rares. Une terre, un savoir-faire et beaucoup, beaucoup de temps. Les seules vignes capables de donner du cognac, les voici. 80 000 hectares, répartis sur uniquement deux départements, la Charente et la Charente-Maritime. C'est la matière première. L'appellation cognac est divisée en 5 crus, 5 qualités, du meilleur au plus ordinaire. Le plus prestigieux de ces crus a été baptisé Grande Champagne. Et c'est là que Paul Giraud possède ses vignes. Il a repris l'exploitation familiale dans les années 70. Alors, terroir de Grande Champagne, donc, vous voyez ce que c'est. C'est tous ces petits cailloux blancs là. Hein. Tous ces cailloux blancs. Ce terme champagne vient du calcaire, hein, de la chaux, de la craie, du calcaire. Sur ses 42 hectares, Paul Giraud travaille encore à l'ancienne. Il réalise son cognac de A à Z. Ce matin, il est d'humeur légère. Là, on ne prend que deux rangs, donc ils vont être obligés de se caler. Et là, sur cette équipe-là, on est bien sur quatre rangs. Pas grand monde pour comprendre ce qu'il dit, et pourtant c'est primordial. Panier, s'il vous plaît! Il s'agit d'organiser au mieux le travail des vendangeurs. Attention, ce que vous voyez là est presque unique. La vendange à la main est en voie d'extinction. Ils ne sont plus qu'une poignée à la pratiquer, et il n'est pas question de traîner. Parce que maintenant, c'est plus le folklore, hein, les vendanges, c'est terminé le folklore, c'est fini ça. Il faut qu'on soit efficace. Martine, je change de panier. Oui. C'est un investissement en respect du produit, en respect de la vigne, en respect de nos consommateurs. Voilà, il y a un ensemble de choses, quoi. Couper le raisin au sécateur plutôt que le vendanger à la machine, c'est un choix, mais cela a un coût. Le prix de revient des vendanges est trois fois plus élevé. Mais pour Paul, pas question de changer. La qualité de son cognac est à ce prix. Oui, si c'est beau ça, un beau raisin bien mûr. Une grappe parfaite que la machine à vendanger n'a pas blessée. Là, on a pris un petit peu de retard, allez, faut y aller, faut foncer.
Ou pas de course ? Paul. Allez. Il est comme ça, le viticulteur, toujours en train de courir après quelque chose. S'il traîne trop avec ses vendangeurs, la grêle ou l'orage pourrait ruiner une année de travail. Notre salaire est dehors jusqu'au moment des vendanges. Ça, mais ça, c'est notre métier. C'est, je veux dire, c'est l'acceptation des risques de notre métier. Hein. Là-dessus, faut être philosophe. La suite va se jouer ici, au domaine, en plusieurs étapes. Le raisin va être pressé, transformé en jus. Le liquide va attendre sagement dans des cuves. Au bout d'un mois, il est devenu du vin. Le vin part ensuite à la distillation. Chauffé dans ses alambics, il se transforme en eau de vie, à un breuvage clair, très alcoolisé, 70 degrés. Cette eau de vie va vieillir dans des fûts de chêne, 2 ans et demi au minimum, mais parfois plus, beaucoup plus. Certaines eaux de vie patientent ainsi 20, 30, 50 ans. Elles en prennent d'autant plus de valeur. Reste une dernière étape, peut-être la plus importante, l'assemblage. Car tous les cognacs sont issus du mélange de plusieurs eaux de vie. Dans ses chais, le vigneron prépare son assemblage lui-même, avec ses recettes personnelles. Il assemble les eaux de vie de différentes parcelles, et parfois de différentes années. Un travail d'alchimiste, où il faut tâtonner pour trouver le bon mélange. Là, on en a assez pour goûter. Ça, c'est le 3. Aujourd'hui, il travaille à une commande un peu particulière pour un client japonais, un amateur de longue date qui connaît bien les produits maison. Voilà. Suivant que ça me plaît ou que ça me plaît moins, je pousse le verre ou je pousse pas le verre. Donc ça, c'est la base. Ben celui-là, je trouve une petite pointe d'amertume. Celui-là est déjà très très bien dans ce que je cherche aujourd'hui. Enfin, dans ce que cherche mon client. Hein. Pour ce client, il va réaliser un cognac sur mesure, un assemblage d'eau de vie de la même année, un élixir exclusif dont lui seul connaît le secret. Tout d'un coup, il y a un fût, ou il y a une cuvée, ou il y a quelque chose. Tiens, ça me plaît particulièrement. Chaque fût aura donné un peu de sa pâte, et on va avoir quelque chose qui est, allez, c'est très subtil. Là, on est vraiment dans la subtilité suprême. Hein. Paul soigne ses clients, et en particulier ceux de l'étranger, car ils sont la clé de la survie de son entreprise. La preuve, la commande du jour a pour destination une épicerie fine, très connue en Allemagne. C'est un peu le fauchon de Munich. Voilà. L'Allemagne, mais aussi les États-Unis, la Chine ou l'Angleterre. Paul est un petit viticulteur, mais aujourd'hui, ses bouteilles font le tour du monde. 35 pays en tout. Le marché export est incontournable. Et donc, eh bien, on est obligé d'exporter si on veut vivre. Au début, je n'avais pas compris, comme je vous dis. Et puis après, je me suis dit, il faut aller chercher des clients à l'étranger. Donc, il faut faire connaître notre produit, c'est-à-dire qu'il faut le faire déguster. Et essayer de trouver la bonne personne qui va nous vendre à l'autre bout. Hop là. Il vend 80% de sa production à l'exportation. Car aujourd'hui, le cognac se boit bien plus à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur. Une évolution qui, pour tous les producteurs, a été une question de survie. Les premiers cognacs ont été produits sur ces terres de Charente au XVIIIe siècle. Mais à partir des années 70, les Français boivent de moins en moins de digestifs en fin de repas. Et un autre spiritueux s'invite à leur table, le whisky. Quand arrivent les années 80, le cognac est carrément ringard. Les ventes s'effondrent, il est temps d'agir. Les producteurs se tournent alors vers les marchés étrangers. Or, il y a un pays où le cognac fait déjà recette, les États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les GIs américains ont ramené le cognac dans leur bagage. Et là-bas, l'eau de vie des Charentes a un succès fou. En particulier auprès de la communauté noire, qui se l'est appropriée par opposition au whisky, l'alcool des blancs et des cadres supérieurs. Dans les années 80, des stars du rap américain affichent les bouteilles dans leurs clips. Le succès est immédiat. Les grandes marques signent désormais des contrats avec les grandes stars du hip-hop et organisent des soirées où le cognac coule à flot. Servi comme un apéritif, on the rocks ou en cocktail, le cognac se paye une deuxième jeunesse, adoptée par une clientèle festive et branchée. L'Amérique est devenue le premier importateur mondial.
Et pour la conquérir, le cognac a su s'adapter, jusqu'à parfois changer de couleur. Des bouteilles qui s'alignent à l'infini sur des chaînes de montage. Des ventes records pour un étrange liquide bleu sorti de nulle part. Cette mystérieuse boisson, c'est un cocktail à base de cognac que s'arrachent les rappeurs américains et leurs fans. À l'origine, la maison Merlet fabriquait du cognac classique, à l'ancienne. Mais lorsqu'un industriel américain leur a proposé de mettre au point un nouveau cocktail à base de cognac, ils ont accepté de tenter l'aventure, là où beaucoup d'autres avaient refusé. Gilles, le père, passe plusieurs mois entre les quatre murs de son labo. Il essaye tout. Différents mélanges de fruits, de la vodka, des colorants, sans trop savoir à quoi il va aboutir. Puis finalement, un samedi, tard dans la nuit, il décide d'arrêter de chercher. Il envoie un échantillon à l'industriel américain et attend sa réponse, sans trop y croire. Le lundi matin, je regoute le produit. Je me dis, c'est quand même pas vrai qu'ils vont boire ça. Mais puisqu'ils voulaient quelque chose de différent, j'ai dit, bon, je vais pas continuer, j'envoie. J'envoie l'échantillon. Et la réponse, il m'a dit, touchez pas, c'est parfait. Je lui ai dit, vous voulez pas que je fasse bleu, mais j'ai fait ça sur un ton de la plaisanterie. Il me dit, ben, pourquoi pas. Ça vous a rendu riche? Oui. Oui, clairement. Car le succès va être fulgurant. Rien que la première année, 2 millions de bouteilles bleues vont se boire aux États-Unis. 10 ans plus tard, le succès ne se dément pas. Et Luc, l'un des deux fils de la famille, suit la cadence de très près. Pour quel enlèvement, ça? Ça va être semaine prochaine. Semaine prochaine, ok. C'est distribué sur 50 états. Et la moindre rupture, en fait, ça fait qu'il y a du volume qui se perd, du business qui se perd. Voilà, donc là-dessus, ils sont vraiment, vraiment très exigeants, les Américains. La peur de la bouteille vide. Pour ne jamais manquer, la maison a investi dans une chaîne d'embouteillage flambant neuve. Et c'est 5000 bouteilles par heure. Un outil de production ultra moderne qui leur permet de voir les choses en grand. Ils s'aventurent maintenant sur de nouveaux marchés et travaillent d'autres alcools que le cognac. Voilà, ici on a de la cachaça, le blond qui va partir en Nouvelle-Zélande. Un petit peu plus loin, là, on a des apéritifs à base de vin. On a dedans des liqueurs de fruits, on a du cognac, des liqueurs à base de cognac. Ça apporte quoi d'avoir autant de variétés? Ça apporte différents types de revenus qui viennent de différents produits. Aujourd'hui, le cognac exporte très bien, mais c'est vrai que si demain le marché s'effondre comme ça a été par le passé, on a d'autres sources de revenus. Salut Eric. Ça va ? Une indépendance qui leur est chère. Et pour la conserver, ils ont compris qu'il fallait sans cesse continuer à innover. Oser les mélanges audacieux, surprendre les papilles. Un travail de recherche qui se fait ici, au labo. Bon, on a dit là-dessus qu'il fallait mettre un peu plus de verdeur. Bon, on en a mis un peu plus là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est même trop. Le 15, là, c'est beaucoup trop bonbon, ça c'est clair. Oui, oui. Non, mais il y a besoin de mettre du peps là-dedans. Hein. Là, c'est mou. Hein. Ces derniers mois, il planche pour une entreprise américaine. Déjà 16 échantillons testés, mais visiblement, on est encore loin du but. On prend la route à gauche, la route à droite et on avance. Et vous ne trompez jamais de route? On verra. Vous savez, je crois qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de produits qui sortent chaque année. Et sur ces centaines, voire peut-être des milliers, il y en a un ou deux qui vraiment percent. Aujourd'hui, leur liquide bleu a fait le tour du monde. Il est présent dans 70 pays. Pas sûr qu'ils retrouveront un jour le même succès. Mais qu'importe, l'avenir de l'entreprise de Gilles et de ses deux fils s'annonce radieux. Ça vous rend fier, ça? Fier, ouais, je suis pas mécontent, mais si vous voulez, de là à dire que... Non. Il a la fierté modeste. Pourtant, les chiffres ont de quoi faire rêver. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. En adaptant son eau de vie au marché américain, la maison a multiplié son bénéfice par 4 en 10 ans. Et des producteurs de cognac qui deviennent riches en renouvelant leur gamme et leur clientèle, il y en a d'autres.
Certains ont même trouvé une nouvelle façon de conquérir les clients les plus fortunés, en vendant des bouteilles de cognac comme on vendrait des œuvres d'art. Le Château Chesnel se prépare pour une vente aux enchères ultra select. 650 invités. Le gratin du cognac s'est mis sur son 31. Ce soir se déroule la 6e édition de la Part des Anges, une vente de charité au profit de l'Ordre de Malte. Le principe est simple, chaque maison offre une bouteille rare et paie environ 1500 euros pour réserver une table. Le tout va se passer lors d'un dîner de gala. T'as une table officielle là. Mais avant tout cela, en coulisses, on s'active. Tout est réglé au millimètre. Pour que la fête soit réussie, chaque détail compte. Il y a le pliage des serviettes qui est important, l'alignement des verres aussi, parce que le coup d'œil global de la table est important. Et puis donc évidemment, les plans de table, que chacun se trouve à côté d'une personne avec qui il peut avoir des affinités. D'accord. On se suit vraiment, on y va tout doucement. Tu le tiens bien, hein ? Ne lâche pas. En tout, 26 lots de prestige sont mis à la vente. Toutes les grandes maisons sont présentes. Elles ont sorti leurs plus belles bouteilles. On est largement dans les temps. Elles sont souvent faites soit exceptionnellement pour l'événement, c'est vraiment un assemblage fait pour l'événement, ou alors ce sont des bouteilles qui ont été retrouvées dans une cave, qui sont des pièces uniques. Un peu plus loin, dans cette malle sur mesure, la bouteille fait partie d'un ensemble réservé aux amateurs de cognac et de poker. Mais il y a la malle, il y a, ce sont des verres en cristal. Donc là, tapis de jeu. Les jetons viennent également d'une grande fabrique de jetons spécialisée à Las Vegas. Tout le matériel poker vient directement de Las Vegas, ça a été fait par les spécialistes. Mise à prix de départ pour ce lot très haut de gamme, plusieurs milliers d'euros. Des bouteilles d'exception pour des acheteurs exceptionnels. Un excellent outil de promotion que Bénédicte Hardy, de la maison Hardy, n'a encore jamais manqué. Elle y invite ses meilleurs clients. Qui est là alors ? Alors, qui est là ? Alors, vous avez la Norvège avec Sturla et Bjorn, qui sont des collectionneurs et amis depuis longtemps, même s'ils n'ont que 32 ans. Mm-hmm. Mais bon, la valeur n'attend pas le nombre des années. Tous les deux ont fait fortune dans l'informatique. We've never been to anything like this. C'est la première fois que je viens ici. Du coup, j'ai dû acheter un costume. Et vous allez dépenser combien ? Ça dépend juste de mon banquier. Et ce soir, les banquiers vont se montrer extrêmement conciliants. Certains acheteurs viennent de loin. Chine, États-Unis ou Russie, comme à cette table. Vous avez prévu quel budget pour ce soir ? Autour de 50 000 euros. Le dîner est bien avancé. La vente peut débuter. On commence à en faire à 500 euros pour la maison de la main. Sur or, 550, pour qui ? 550, 850, 4 3000, 4500, l'enchaînette à ma gauche. À 4800, j'adjuge. C'est lui à 4800, pas sur enchère. Adjugé, merci monsieur, encore. Bravo. Au final, l'acheteur russe va casser sa tirelire. 5 nouvelles bouteilles vont rentrer dans sa collection. Je pourrais un peu comparer ça au casino. Je mets des billets dans ma poche, juste là. Et je m'arrange toujours pour qu'il en reste quelques-uns quand je pars. L'enchère la plus vertigineuse, ce sont des Malaisiens qui vont se l'offrir. Pour une bouteille du 19e siècle d'une grande maison, ils vont mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table. Le montant est astronomique, mais dans le domaine du luxe, on compte rarement les zéros. La vente est un record pour l'événement. Les responsables peuvent avoir le sourire. Dans notre métier des eaux de vie, on a des eaux de vie très anciennes dans nos stocks. Quelle valeur ça a ? C'est ce type d'événement qui donne de la valeur à ces eaux. Sur l'ensemble de la soirée, on a atteint des sommets. Total des ventes pour 26 flacons. 136 800 euros, 30% de plus que l'année passée. Preuve que le marché du cognac de luxe est en plein essor. Car pendant qu'aux États-Unis, le cognac est un alcool festif et un peu frimeur, dans les pays émergents comme la Chine, la Russie ou le Brésil, le cognac est un produit de grand luxe.
un marqueur de richesse. Un peu l'équivalent d'une voiture de sport. Les nouveaux millionnaires de la planète sont prêts à débourser de très grosses sommes pour les marques qui sauront leur offrir des cognacs de grand prestige. Dans le vignoble de Cognac, il existe un domaine un peu à l'écart. Une terre où tout est fait dans un seul but, l'excellence. Imaginez, un hectare de cette vigne peut atteindre les 70 000 euros. Cette terre a un nom, Louis XIII. Et pour effigie, une fameuse carafe dont les prix varient de 2 000 à 30 000 euros. Ce cognac est l'un des plus recherchés au monde. Rares sont les caméras autorisées à pénétrer ces lieux. Plongez au cœur d'un mythe. Pierrette Trichet est maître de chais, autant dire le maître des lieux. Elle perpétue une histoire vieille de 140 ans. Regardez, les cercles n'ont pas été touchés, ce n'est que l'humidité, la poussière du bois. Regardez les toiles d'araignée, elles sont là, personne n'y touche, le temps s'arrête. Il y a certainement un trésor qui est en train de doucement continuer à évoluer et c'est ça qui est magnifique. Le temps, c'est l'un des maillons sur lequel s'est bâtie la légende de cette grande maison. Ces barriques sont inestimables. Certaines ont plus d'un siècle. Alors on leur accorde un soin très particulier. Aujourd'hui, l'équipe a un problème à régler. Certaines barriques commencent à fuir. Tu vois, voilà un autre là, que j'avais expertisé là, tout à l'heure. Là, c'est pareil, celui-là, bon, ben, il voit bien qu'il est très abîmé. D'accord. Ah oui, oui, oui. J'ai fait le tour, moi je compte à peu près 25% de fûts qu'il va falloir traiter. Ces délicats nectars termineront leur vie dans des carafes en cristal, à des prix astronomiques. Pour le reste, peu d'informations filtrent. Combien d'acheteurs? Quel chiffre d'affaires? Quel stock? Sur tous ces éléments, la maison préserve le plus grand mystère. Vous en avez combien alors? On en a beaucoup. Le chiffre exact, je ne vous le donnerai pas. Je ne vous le donnerai pas parce que ça fait partie de, on va dire, des choses tellement rares que et tellement précieuses que nous ne vous donnerons pas le chiffre. Le secret, la rareté et le luxe. Cette grande marque s'est construite sur ces trois piliers. Dans les brochures, ce cognac, c'est la qualité bien sûr, mais surtout un goût identique depuis 140 ans. Pour réussir à retrouver la même saveur, malgré le passage des années et l'irrégularité des récoltes, Pierrette doit goûter inlassablement. Direction la salle de dégustation, le centre stratégique de la marque. Ici, Pierrette et son adjoint façonnent les cognacs de demain. C'est très 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 puissant. Et puis si on avance de plus en plus le nez dans le verre, on est à cette dimension de fruit qui est exceptionnelle. On a ces notes de noix, de cire. Alignées sur la table, des eaux de vie de 10 à 70 ans. L'information est invérifiable, mais selon le groupe qui possède la marque, ce précieux breuvage est l'assemblage de 1200 eaux de vie, toutes choisies par Pierrette Trichet. Le maître de chez doit avoir, oui, cette action et ce potentiel d'être un visionnaire et d'imaginer le devenir de ces très belles eaux de vie dans un siècle. Mais avant cela, la sélection est drastique. Seulement 2% des eaux de vie qui arrivent ici rentreront dans l'assemblage final. Venir déguster n'est pas une action ou un geste anodin. Et on prend la responsabilité de dire oui, je sélectionne cette eau de vie ou non, je la refuse. Ce que Pierrette choisit aujourd'hui sera bu dans plusieurs décennies. La demande est telle qu'aujourd'hui, la plupart des maisons ont investi ce segment. Pour répondre à la demande mondiale, les grandes maisons de négoce sont à la recherche de très vieilles eaux de vie. Ces précieux breuvages vont rentrer dans la composition des cognacs les plus recherchés et aussi les plus chers. Et certains sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour les trouver. Pour découvrir des eaux de vie oubliées, fouiner au fond des granges et des greniers et battre la campagne, il y a des gens comme Francis Garraud. Il est courtier, autant dire chercheur d'or. Ce matin, il se rend chez un ancien viticulteur qui conserve dans une vieille étable quelques bonbonnes d'eau de vie très anciennes.
une denrée rare. Francis a peut-être trouvé un trésor. Vous allez bien ? Comment allez-vous ? Ça va très bien. Combien ça vaut, ça ? Ah ben d'abord, attendez, quand je les aurai goûtés, on va voir ça. Elles ont toute une histoire, ces eaux de vie. Voilà. Dans cette étable sans âge, bien protégée du temps, de vieilles bonbonnes conservées par ce viticulteur à la retraite. À l'intérieur, une eau de vie de plus de 50 ans. Je gardais ça parce que je ne me sentais pas vieillir. Et vous savez, maintenant, j'ai 74 ans, hein, je veux quand même... Je sais pas, je suppose qu'il m'a pris. On peut pas toujours garder aussi. Et puis les prix semblent rémunérateurs. Attendez, je vais vous aider. Oui. A priori, le produit est rare. Exactement ce que le courtier recherche. Mais il doit tout contrôler. Présence de défaut, degré d'alcool. Sans cela, les deux hommes ne feront pas affaire. Ils ont beaucoup de vieux, oui. Beaucoup de vieux, en langage de goûteur de cognac, ça signifie que l'eau de vie a vieilli très longtemps. Et ça, c'est bon signe. Et c'est bien équilibré. Et c'est surtout le vieux qui prédomine. Et ça, c'est très important. Les négociants recherchent ces produits qui sont d'exception. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au total, 18 bonbonnes de 25 litres chacune. Il ne reste plus qu'à parler argent. On va voir, on va regarder. Le tout, c'est qu'on trouve un excellent prix pour quelqu'un qui est intéressé. D'après les calculs de Francis, la valeur de ce lot pourrait avoisiner plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est très bien, je vous en remercie. Là, vous avez combien d'acheteurs potentiels ? Pour ce genre de produit ? Oui. Oh, là, je peux en avoir 10, ça ne pose aucun problème. Le plus difficile pour lui, ce n'est pas de trouver des acheteurs. Ces vieilles eaux de vie pourront rentrer dans la composition des bouteilles les plus haut de gamme. La demande est planétaire, donc toutes les maisons en recherche. Le plus dur, c'est de trouver la matière première. Francis Garraud continue sa tournée. En visitant ce viticulteur, il a poussé la bonne porte. C'est un lot de 20 hectolitres d'alcool pur. Un lot de plusieurs milliers de litres, valeur plusieurs centaines de milliers d'euros. Avant de réaliser la vente, un passage obligé, le laboratoire. Il va regoûter les produits et les conditionner pour ses clients. Ah, c'est des surprises. Toujours, il y a des surprises. En ce moment, elles sont toutes agréables, les surprises. Parce que les prix sont à la hausse, alors on est surpris des prix qu'on nous propose. Enfin, c'est très bien pour le viticulteur. Avec des échantillons comme ça, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content. Plus les prix montent, plus le courtier gagne de l'argent. Francis est rémunéré à la commission, 2% sur chaque transaction. Ensuite, tout l'enjeu pour les grandes marques, ce sera de vendre ces eaux de vie précieuses encore plus chères. Et une des recettes du métier n'a pas grand-chose à voir avec la qualité de l'élixir. C'est une question de flacon. Les grandes maisons de cognac l'ont compris depuis longtemps. Une eau de vie de qualité se doit, comme une pierre rare, d'être présentée dans un écrin qui la sublime. Série limitée, flacons de cristal taillés sur mesure ou rehaussés de feuilles d'or. Des bouteilles précieuses dont la conception et le coût pèsent quasiment autant que le breuvage qu'elles contiennent. Bienvenue dans la maison Courvoisier. Les invités du jour ne sont pas vignerons, mais designers. Dans la grande salle de réunion, rendez-vous avec l'une des responsables de la marque. C'est un premier contact en prévision d'un futur nouveau produit. On peut vous dire, là on voit qu'il y a 15 marques qui utilisent ce créneau, donc ça peut être intéressant. Mais après, c'est aussi comment se différencier par rapport à elles. On peut avoir une différenciation dans notre marque complètement perçue d'un côté asiatique qui est très différent de ce qui est perçu, donc il ne faut pas se tromper. C'est aussi à la marque de bien se connaître, bien connaître ses valeurs pour avancer et aussi pour surprendre le consommateur. C'est un peu comme une glace à la vanille, il y en a une où il n'y a pas d'enrobage et l'autre où il y a d'enrobage, noisette, machin. Voilà, donc ben, c'est ça. Dans le jargon, on appelle ce genre de réunion un panorama de tendance. En clair, regarder les idées des autres pour puiser l'inspiration et surfer sur les tendances du moment. C'est du premium. On l'a réalisé avec des contraintes de premiumisation, pas des contraintes de luxe.
Forme, couleur, packaging, toutes les idées sont bonnes à prendre quand il s'agit de séduire les consommateurs les plus exigeants. On est aujourd'hui sur une plateforme où on a des consommateurs qui recherchent tellement plus que juste le produit. Alors le produit, nous, on le connaît par cœur. Mais en réalité, les consommateurs maintenant, ben, ils veulent quelque chose qui est un objet, qui est un trésor. Pour faire vite, ce trésor, c'est le flacon. Pour chaque gamme, une bouteille différente. Pour chaque zone géographique aussi. La preuve. Sur quels sont ceux qui font rêver, c'est des produits comme Dragon, qui est en fait un produit où nous jouons. Donc sur le côté caché du produit elle-même avec une carafe qui a énormément de facettes et de difficultés dans sa création, mais qu'on apporte sur un pédestal. Il y a le côté caché chinois parce que nous avons donc créé ça pour l'année du dragon. Son prix, plusieurs milliers d'euros. De leur côté, les créatifs inventent et réinventent pour les grandes maisons de cognac. Chaque année, les marques lancent de nouvelles bouteilles. Le design doit s'adapter aux tendances, incarner le luxe, le côté masculin ou encore la fantaisie. Parfois, les contraintes peuvent être tout autres. Ici, la marque avait demandé une bouteille à destination des magasins de duty-free dans les aéroports. La majestueuse devait donc avant tout garder la ligne. Regardez, hop. On a, c'est une carafe qui a bien fonctionné, c'est-à-dire que on est vraiment, l'idée, le brief était de rester dans une idée de flasque qui soit aussi facilement transportable. Résultat, des milliers de bouteilles vendues depuis le lancement. Des agences spécialisées comme celle-ci, il y en a 6 en France. Ici, une vingtaine de personnes planchent sur les bouteilles de demain. Pour certaines, ce sera un an de travail. Facture pour le client, jusqu'à 400 000 euros. À ce tarif-là, les maisons s'offrent une discrétion à toute épreuve. Vous pouvez parler de ce sur quoi vous travaillez en ce moment ? Oui, non. Non, il y a des choses ultra secrètes. Derrière le rire généreux, il y a une réalité. À l'échelle de la planète, les marques de cognac se livrent une bataille féroce avec pour arme le marketing. Alors quand il s'agit de vendre, on ne se fait pas de cadeaux. Et la discrétion est maximum. Secret industriel oblige. Tous les coups sont permis pour gagner de nouveaux clients. Et les clients qui font saliver d'envie les marques de cognac depuis quelques années, ce sont les Chinois. Les nouveaux riches venus de Chine sont devenus les 3e consommateurs au monde. En moins d'un an, les ventes ont grimpé d'au moins 20% là-bas. Les millionnaires chinois affichent leur réussite en plaçant une bouteille de luxe sur la table du dîner. Le marché est très prometteur, chaque maison rêve de s'y imposer. Et pour cela, elles savent se montrer très, très accueillantes. La course est lancée, chacune a sa méthode. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à la maison Martel. En Chine, Chen Chu est une star. Elle est actrice et son mari est un pianiste célèbre également. Tous les deux sont les invités de cette grande maison de cognac pour une fastueuse opération séduction. Première étape du séjour, la visite des chais. Avant, pour moi, le cognac, c'était quelque chose d'assez fort. Quand je goûte celui-ci, cela me paraît beaucoup plus doux et surtout terriblement romantique. Ils sont jeunes, ils sont riches et ils aiment le cognac. Alors pour eux, la maison Martel a sorti le grand jeu. Un voyage sur mesure auquel ils ont pu convier quelques amis pour goûter un peu du savoir-vivre à la française. Petite surprise, pour agrémenter la visite, le guide fait un détour au paradis. C'est l'endroit où sont conservés les nectars les plus précieux. Qui a la chance de rentrer là-bas normalement ? Des gens des VIP uniquement, hein, c'est pas... C'est comme un vrai paradis, je suppose. Un pourcentage assez petit. Leur offrir le paradis, rien que ça. Visiblement, tout est bon pour satisfaire les invités. C'est du 1848 ? 1848. Et ça ? 1875 ? 1875. Sur ces étagères, juste derrière, les flacons les plus anciens de la maison. Goûtez d'abord celui que vous tenez dans la main droite. Celui dans la main droite. C'est incroyable. Ça dépasse l'imagination.
Vous vous rendez compte? Je tiens un verre avec un cognac qui date de 1875. Et maintenant, je vais vous demander de mélanger les deux. Et on va voir si vous préférez comme ça. Donc on devient le maître de chais? C'est ça, maintenant c'est vous le maître de chais. Pour toute la visite, la maison va dépenser beaucoup d'argent, mais avec un objectif précis. De retour en Chine, le couple star va parler de son séjour, de l'accueil et de la marque. C'est précisément ce que recherchent les stratèges de la maison. Le cognac, ça se vend aussi comme ça? C'est aussi et beaucoup de ça, effectivement. Vous pouvez aller jusqu'à où pour les séduire? La séduction, ça n'a pas de limite. Fin de la visite. C'est le moment de ramener quelques souvenirs de la maison. Pour la seule fois du séjour, les Chinois vont sortir leur carte de crédit. Et ils vont se montrer très dépensiers. On est très contents, hein. On n'est pas là non plus pour être philanthrope, hein. On fait du business quand même. Du business, mais dans des conditions très confortables. Leurs trois nuits en Charente, les Chinois vont les passer ici, au château de Chanteloup, propriété historique de la maison. Là encore, on va leur réserver le plus raffiné. Pour la visite du domaine, c'est l'un des responsables des marchés asiatiques qui sert de guide. C'est un très bon investissement. Ils nous le rendent bien, puisque la Chine est un marché qui se développe d'une manière fantastique. Mais il y a tout le reste de la Chine. La Chine est énorme. Voilà. Venez profiter de la vue. Un marché très prometteur. En 10 ans, cette grande maison a doublé ses ventes en Chine. Rien que l'année passée, 24 millions de flacons ont été écoulés. Et ça n'est qu'un début. Pour prolonger l'expérience, le soir venu, l'équipe va sortir le grand jeu. Un dîner digne d'un restaurant étoilé, avec à la baguette un ancien de chez Trois Gros. Et ici, c'est toujours la même recette, du luxe à la française, histoire de donner aux invités le sentiment qu'ils sont uniques. Homard rôti avec un petit jus qui est légèrement vanillé. Un petit risotto aux truffes, hein, aux truffes de Charente. Hein, ça c'est quoi? Tarte chocolat. Ouais. Avec une petite sauce à l'orange. Chaque plat a été imaginé pour s'associer avec un cognac de la maison. Pour le reste, le chef est totalement libre et pas très regardant sur les quantités. On est dans le monde du luxe. Donc on est nos limites. Il faut pas calculer les coûts. Là, quand le réseau de truffes et dit bon, j'en mets quoi? J'en mets. Est-ce que je peux en mettre 10 grammes, 12 grammes, 15 grammes? Non. Il faut mettre des truffes, on met de la truffe. Voilà. Bon, on peut envoyer. Le dîner terminé, la soirée se poursuivra jusque tard dans la nuit. Une fois chez eux, les Chinois feront partager l'expérience à leurs connaissances et assureront le rayonnement de la marque française. Un investissement visiblement porteur. Des groupes d'invités comme celui-là, la maison en reçoit toutes les semaines. Beaucoup de clients richissimes font le voyage en France, sur les terres de cognac, pour goûter leur alcool favori. Alors certains investisseurs ont compris qu'il y avait peut-être moyen d'en tirer parti. Profiter du cognac sans en vendre une goutte, le pari est osé. Et pourtant, il y a un homme qui semble sur le point de le réussir. L'histoire de Paul Posiumski a commencé dans les salles de marché. Financier surdoué, il a fait fortune en quelques années. Et il y a 4 ans, ce franco-roumain de 38 ans a décidé de changer de vie. Il a quitté la City de Londres et a posé ses valises en Charente pour se lancer dans un pari un peu fou. Bon, bah ça commence. Son pari, le voilà. 3000 mètres carrés en pierre de taille et en ardoise de tradition. Le tout en piteux état, Paul a déboursé 1 million d'euros pour s'offrir ce château. Une affaire selon lui. Les travaux devraient lui coûter 5 fois plus. Bon. Toutes les semaines, c'est le même rituel. Visite de chantier avec à la baguette le propriétaire en personne. Et des difficultés à démêler, des solutions à imaginer. Il y en a à tous les étages. Ce que je veux dire, ce qu'il faut imaginer, c'est que là, on sera beaucoup moins haut. Et celui-ci ne fait pas 3 mètres. Hein. On est à beaucoup plus haut. Là, ça fait quoi? Ça fait 4 mètres. Je sais plus, 4-5 mètres, je crois, ici. Hein. Au premier étage, ce sont les poutrelles qui flanchent. Il y a des jolies choses. Tu vois de la ferraille partout. Et partout, elle est rouillée.
ce qui fait qu'elle a détruit à peu près tout dans son passage, c'est-à-dire le bois, la pierre, absolument tout. Résultat, un plafond ancien entièrement à reconstruire. C'est affaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans chaque pièce, une surprise. Ici, ce sont les pierres qui sont fissurées. Au dernier étage, changement de décor. Les travaux de charpente viennent tout juste d'être terminés. Qu'est-ce que vous en dites ? Il y a des chances que ça tienne ? Ça tiendra. Eh ben voilà. 100 ans ? 200, on a dit. 200 ? 200. Difficile encore à imaginer, mais dans un an, son château sera transformé en hôtel de luxe. Pourquoi ? Parce qu'il est situé à deux pas des meilleures vignes de cognac et des plus grandes maisons. Un palace pour capter la clientèle des grands cognacs, c'est une idée de génie. Et jusqu'ici, cela n'existait pas. Ici, on est dans une suite. Ça, c'est une suite. En fait, cette suite, elle va de là jusqu'à là-bas. La qualité des éléments dans ta chambre est la même. Tarif de cette suite pour la nuit, aux alentours de 1000 euros. Si on reste dans ce... Rien de tape à l'œil. Le propriétaire a voulu s'inspirer de l'esprit cognac. Cela se résume en une phrase. Le luxe est affaire de simplicité. Et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que la qualité... Ce n'est pas les paillettes. La qualité, c'est ce qu'il y a derrière. Ça laissera aux grands clients des maisons de cognac, par exemple, mais aussi à des gens qui cherchent l'excellence dans la région de Cognac. Parce qu'il y a bien des gens qui voudront aussi peut-être vivre dans des conditions un tout petit peu exceptionnelles. Avec son château et son projet d'hôtel, Paul Posiumski fait figure de pionnier dans une région où l'on n'aime pas trop bousculer les habitudes. Une eau-de-vie française partie à la conquête du monde. Discrètement, le cognac est sur le point de réussir son pari. D'ailleurs, en ce moment, le marché est tellement porteur que tous les acteurs du cognac y trouvent leur place. Malgré une situation économique très critique partout ailleurs, le cognac coule des jours tranquilles. Si le Made in France cherchait un modèle, il l'a trouvé.